Hola, ¿qué tal? Hermana, hermano, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month. Maintenant, on fait un top 10. On va voir ensemble les plus belles paires du mois de septembre 2016. J'ai des critères de sélection divers et variés, et que je ne prends pas juste la cote de la chose pour faire mon classement. Sinon, ce serait toujours les mêmes en premier, hein, etc., etc. Je ne prends pas que ça, je le prends en compte bien sûr, mais je ne prends pas que ça. Il y a le design, le travail sur la paire, la beauté tout simplement, le concept, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc tout le monde n'aura pas forcément le même avis, hein. C'est mon classement. Et voilà, chacun est libre de ses goûts. Mais je fais quand même un classement travaillé, c'est pas un classement au pif, ouais non non non, c'est un classement travaillé. Donc sans plus attendre, on va commencer, non? Numéro 10, on commence en douceur avec cette très originale collaboration entre l'artiste Dave White, The Shop, Size et Nike qui nous ont concocté le superbe pack de Air Max 95 nommé Albion. Albion, c'est le nom d'une des collections de l'artiste Dave White. Sorti chez Size à 150 livres, soit à peu près 175€ la paire. Numéro 9, un classique revisité par Nike Lab, la Air Zoom Spiridon Metallic Gold vendue autour des 170€ et c'est issu du pack Golden Shine. Numéro 8, le pack Mastermind Japan et Adidas Original pour ces deux très jolis modèles où on sent vraiment bien la patte de Mastermind, une NMD XR1 et une Tubular Instinct qui est pour moi la plus belle des deux. Affiché à 219€ la paire. Numéro 7, un pack lourd entre le shop Kiss et la marque Bape pour un pack au max fait à la main au Portugal. Pourquoi? Je ne sais pas. Les paires sont nommées les Kista et on en a une en cuir blanc et l'autre en din beige. Les paires étaient vendues dans la boutique Kiss de New York à 300$. Numéro 6, la Air Jordan 4 Pinnacle Obsidian qui n'a pas eu tant de succès que ça, sûrement à cause du prix des Pinnacle, toujours 400€ à chaque fois, c'est dur, mais c'est évidemment la qualité des matériaux premium utilisés pour ces choses, ça se paye. Bref, il y a un gros taf. Numéro 5, le pack très attendu par tous les accros de la marque Supreme pour cette collaboration Nike SB et Supreme donc, avec ses trois jolis modèles de Supreme Nike SB Blazer Low GT, GT pour le skater Grant Taylor, trois modèles en din colorway, sable, rose et bleu, vendu à 98€. Numéro 4, le pack très lourd HU pour Human, issu de la collaboration entre Pharrell Williams et Adidas pour ses 5 modèles de NMD Human, avec la Human Being, c'est la bleue, la Human Species, c'est la black, la Human Race, la Scarlet, la Human Green et la Human Tangerine. Les paires ont été vendues à 240€ l'unité, cher, oui. On en reparle demain soir à 20h pour un OMG Sneakers. Lourd, comme d'habitude, je vous présente la Scarlett. Et ouais mon frangin. Numéro 3, bien sûr la Air Jordan 1, Panette ou Bread, comme vous voulez. Un gros bordel le jour de la sortie de cette réédition. OJ, la paire s'est arrachée à 150€. Numéro 2, dans le haut du panier, le modèle préféré des resellers, confectionné par Adidas et Kanye West. Retrouvez la Adidas Yeezy 350 V2. Beluga, colorway steel grey, vendu à 220€. And the number one is... la magnifique collaboration entre Acronym et Nike Lab pour un pack de 3 colorways de Nike Air Presto revisité avec 3 magnifiques coloris différents. La néon, le modèle olive que je vous ai présenté avec un grand plaisir et le modèle bambou que je trouve bien original. Alors oui, j'entends déjà, mais il est fou de mettre ses paires avant la Yeezy ou la Banette. Mais pour moi, ces paires-là sont les plus travaillées et de loin, les plus originales et de loin et les plus jolies de ce mois de septembre. Tout simplement. Voilà mon frangin, voilà ma frangine, voilà mon engin, voilà mon engine. J'espère que ce Sneaks of the Month vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à cliquer ici bas sur le thumbs up. Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et sans danger. Donc si vous voulez plus d'informations sur certaines chaussures dont j'ai parlé dans ce top 10, je vous invite à taper le nom des paires sur Google et vous trouverez des sites qui en parlent. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont sur ma chaîne et je vous dis... à demain, 19h, pour mon désormais classic shit, Sneaks of the Week, et à 20h, pour un OMG Sneakers, Heavy Bro, Here Be Brother.